chapeau bas, trois pépites du tourisme en France. Avant de terminer cette émission, on a Hervé Bloch, donc le patron de la société Les Big Boss, qui va nous parler des transferts des talents au sein des sociétés. D'ailleurs, il avait parlé de toi quand tu es arrivé chez Pierre et Vacances. Donc c'est parti pour le mercato du digital d'Hervé Bloch de la société Les Big Boss. Merci Vincent. Alors c'est parti pour la chronique du mercato du digital. Mais finalement, Franck, t'es un très très bon client pour le Mercato. Hein. Je t'ai connu, t'étais chez Voyage SNCF, t'étais même président du jury d'une Winter Edition. Puis tu as rejoint Accor, puis Pierre et Vacances Center Park. Chapeau bas, trois pépites du tourisme en France. Alors c'est parti pour la chronique de l'émission. Chez Balenciaga, la marque de luxe italienne, on vient de nommer Ludivine Pont, ex-Montclair, au poste de Chief Marketing Officer. Laurent Thirion vient de rejoindre la marque du Pareil au Même au sein du groupe GPE, sergent-major Nathalys, en tant que directeur e-commerce. Après une carrière de plus de 15 ans au sein de la compagnie du lit, il était jusqu'à présent Chief Digital Officer de la marque Dunlopillo. C'est un big boss de la première heure et c'est la deuxième fois qu'il est nominé dans le mercato du digital depuis le début Tech Show. Hé hey Laurent, faut se poser maintenant. Alors maintenant, on change complètement d'univers avec PepsiCo, Grégoire Argan, figure emblématique de PepsiCo, qui rejoint Sanofi au sein de ce laboratoire français emblématique pour diriger le marketing et le digital. Il a travaillé 18 ans chez Pepsi, bravo à lui, une épopée extraordinaire. C'est donc un big boss emblématique de la grande conso, bientôt de la pharmacie, et c'est un big boss emblématique sur nos événements. Alors maintenant, nous arrivons dans le monde des centres commerciaux de Carrefour, le groupe Carmila, qui annonce la nomination de Sandrine Mercier, ex-Nestlé, au poste de directrice marketing, client, digital, innovation, afin de développer toute la stratégie marketing omnicanal. Iri Jardin, leader français de l'équipement de piscine et de spa, nomme Julien Calamotte au poste de directeur marketing et digital. C'est une promotion interne. Dans le groupe Société Générale, on annonce la nomination d'Aurore Gaspard au poste de directrice adjointe de la banque de détail en France sous la direction de Marie-Christine Ducholet. Au titre de sa nouvelle fonction, elle a le comité de direction, mais surtout, elle supervisera les directions digitales, data, dispositifs, relationnels clients, opérations, transformation et paiement. Bref, c'est la femme qui compte maintenant au sein du groupe Société Générale. Et enfin, Julie Bonnet arrive en tant que Chief Digital Officer au sein de Hermione People & Brands. Ce sont des marques comme Gap, Camailleux, La Grande Récré, un grand entrepreneur derrière toutes ces marques. En transversale sur l'ensemble des marques, Julie va piloter le retail et accélérer la digitalisation. C'est une figure emblématique de la Big Boss Family. Pour la prochaine fois, n'oubliez pas, si vous avez des nominations, si vous êtes dans le mercato, n'hésitez pas à renvoyer un email. Vous allez sur la page LinkedIn Tech Show, vous présentez votre nomination, je la sélectionnerai. Je ne pourrai pas prendre tout le monde, mais on prend toujours 8-10 personnalités du digital qui font et qui défont la sphère du digital français. À très bientôt, Vincent, je te rends l'antenne.